Salut à tous, c'est Mister666. On se retrouve pour un nouvel épisode sur notre aventure. Comment bien débuter sur Feed the Beast. Et c'est aujourd'hui notre épisode 7. Notre épisode 7. Et qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode 7? On va continuer dans l'énergie. Et pour ça, j'ai changé de tête de creeper. Non, je rigole. C'est une blague. Pas drôle. Non, non, j'ai changé ma tête. J'ai juste mis une tête de creeper. Pour vous faire marrer. Voilà. Alors, aujourd'hui, ceci, je ne sais pas ce que c'est, hein, si quelqu'un peut le savoir, pourra m'aider. Je crois que c'est à cause de mon frappe, ce qui doit bien bugger, parce que ça me fait des lignes partout. C'est beau, mais bon. Voilà, bref, hein. On verra ça pour une autre fois. On va vite dormir un coup. Et aujourd'hui, donc, les waterfall fields. Non, voilà, bon, les moulins à eau, j'ai compris comment ça marchait. Donc. J'ai décidé aussi qu'aujourd'hui on allait. Attends. Ouf, c'est. Non, mince. Mince, mince, mince. On va faire ça tout de suite. Vite, vite, vite. Ça, j'ai fait une grosse bêtise que je ne vais pas faire. J'ai jamais cassé les blocs comme ça. Mince, mince, mince. Il me faut beaucoup de copper. Tac. Attendez. Il nous faut une wrench. Celle-là, donc il nous faut du bon. Bon, on va dire enlever ça. Voilà, du bronze. Comment on fait ça? Ok, alors 3, il nous en faut. Attendez, il nous en faut 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, donc ça fait 6 fois 3, ça nous fait 18 et 6, donc 18. 18. 18 copper et sitine. Donc sitine. Tac tac tac. Voilà. Donc vous voyez, je me suis fait un machine block alors que j'avais fait un macérator. Donc on veut déjà essayer de faire un macérator en attendant. Puisque j'ai fait la grosse bêtise. Voilà, super. Donc le machine block, je l'ai récupéré. Il me faut un électronique circuit. Ah, ça va. C'est pas trop galère. Alors, mince, il m'en manque déjà en plus. 6. Tac. Voilà, on va déjà se refaire ça. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Et tac. Voilà. Alors. Ensuite, il me faut la redstone. C'est pas là. Oula. On voit un lag. Je sais pas pourquoi mon ordi s'est aussi. Il rame un tout petit peu. Hop. Et. C'est pas là de redstone. Voilà, donc un fail, super hein. Tac tac, ça c'est bien du moi hein. C'est bien du chiliax. Tac, voilà l'électronique circuit. Maintenant il me faut encore 3 comme ça, hop, voilà. Et voilà pourquoi, enfin je voulais vous dire, je vais déplacer mes machines parce que je veux pas les placer ici, ça va prendre beaucoup trop de place dans la maison, j'aurai pas de place, donc je vais faire une zone spéciale machine. Donc voilà, maintenant, il m'a fallait 10, oups, c'est pas ça, voilà, il m'en fallait 18, donc j'en ai 13, 15, 16, en plus j'ai enlevé mon macérateur, en plus j'ai cassé juste pour ça, voilà, ça m'énerve. Ça coûte cher en ressources, donc ça faut vraiment faire attention. Donc là, ce que je fais, c'est de wrench. Donc, pour chez, je crois que c'est Buildcraft ou peut-être un Discraft, je sais pas. Pour casser les machines, il me faut une wrench. Donc voilà. Et là, j'ai fait l'erreur de casser. Donc, pas pour le générateur, mais pour le macérateur en tout cas, oui. Donc, attendez, je crois que si on clique là-dessus, ouais, c'est Industrial Craft. Alors que le générateur, si on clique sur le générateur, ah non, c'est aussi, c'est bizarre. Voilà, vite on enlève ça avant que ça nous fasse perdre du copper. Voilà, donc il nous fallait. Tac, nos 6. Hop. Hop. Alors. Ah d'accord, ça nous donne plus qu'est-ce qu'il fallait. Mince. Ok, donc c'est pas grave. On aura une wrench plus rapide. Voilà, hop. Tac, tac et tac. Donc on a là, je suis même pas sûr qu'en fait la machine qu'on veut déplacer là, elle doit se faire casser à la main.
Super. Quoi? Ok, mince, je vais faire un clic droite. Oh, je suis bête, regardez là, hop, si je repose cette machine. Voilà. Oh, mince, donc il faut que je refasse mon extracteur fort, là, là. Bon, au moins, on le revoit deux fois. Sais pas écrire. Ok, donc le machine. Voilà, il me faut de nouveau. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Au moins j'ai un peu de copper. C'est déjà ça. 3. Voilà. Hop. Au moins, vous savez, pour ceux qui n'ont pas vu les épisodes précédents, au moins vous voyez ce que j'ai fait dans les épisodes précédents. Tac. Mince, maintenant il me faut. J'ai pas sûr oublié s'il me fallait en tout. Hop, un petit. Hein. Quelle perte de temps. Bon, au moins. Et on reprend tout depuis le début. C'est ça. Hop, alors. Tac. Tac. Donc c'est un clic droit avec la wrench sur pour récupérer. Tac, tac, tac. Voilà, hop. Ensuite, il nous faut. Tac. Hop. Il nous en faut 4. Je pense que j'aurais pas assez. Pour l'instant, j'en ai 2. Donc ça nous en... Voilà, parfait. Parfait, voilà. Hop, tac. 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 Et tac. Ensuite, tac. Voilà, nos 3 machines. On va plus les poser. Hop. Et hop, voilà, normal. Donc ensuite, je crois que ça... Ah bah si, ça marche aussi. Hop. Ensuite, on casse ça. Ça, on peut casser à la pioche. Puis c'est déjà des ressources rares en plus. Comme si on allait les laisser ici. Donc il faudra qu'on rebouche le sol dans notre maison. Où le générateur était placé. Hop. Et on va se placer au bord de la mer. Et je ferai pendant les deux épisodes entre cet épisode là et le prochain ou le prochain, je pense que je vais faire les livres ou je sais pas, en fait je verrai. Donc normalement ce serait dans les livres l'épisode prochain, mais je compte faire une sorte de zone ici à machine. Donc je vais faire une sorte de petite infrastructure, mais pour l'instant donc il nous faut, on va mettre ça par ici, hop, et l'autre dessus à côté. Voilà, donc ils sont ici. Donc qu'est-ce qui me manquait la dernière fois? Bon, déjà il faut qu'on puisse poser des blocs. Tac. Non, ouais, comme ça. Hop, 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 voilà. Donc qu'est-ce qui nous manquait? Donc déjà on va se faire une table de craft. Hop, voilà. Tac, ça on peut enlever. Donc la table de craft pour l'instant on va la mettre par ici. Parfait, donc il nous faut une bad box. Qu'est-ce qu'une bad box? C'est une quelque chose qui conserve de l'énergie. Donc une... Ah ouais, d'accord. Donc il nous faut ça, c'est bon. Et il nous faut des batteries. Je sais jamais comment ça se fait. Tac, battery. Ok, donc il nous en faut 3. Donc ça fait 3, 4. 4, ok. 4. Oh mince, il me fera que je refasse. Ok. Bon, c'est pas grave. On va prendre tout ce qu'il nous faut. Hop. Donc aussi, la salle des coffres en bas, elle est un peu grosse. Donc je vais faire des coffres en diamant pour la prochaine fois. Aussi, voilà, dans la prochaine épisode, on fera des coffres en diamant. Donc il nous en faut 3 et 4. Alors, on va faire... Voyez, vous allez voir comment je vais faire ça. Hop. Il nous en faut 3. Donc on va déjà faire ça là. Hop. Ça, j'en mets un, je mets ça au bout, ça nous en fera 4. Voilà, magique. Hop, ensuite il nous faut alors 3 batteries, donc ça nous fait 12 tin. Hop, voilà, hop, et bon, ça devrait suffire. Voilà, donc tac, 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 3, hop. Tac, tac, et tac. Et tac. Voilà, magique. Ensuite, bad box. Ok. 4 bois.
Tac, voilà, hop. Alors, 1, 2, 1, 2, tac. Un petit copper cable. Non, mince, c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Tac, tac. Tac, tac, tac. Et tac. Non. Mince, il m'en faut. Ouf, juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Voilà, la bad box, elle est prête. Donc voilà, hop. Donc il nous faut relier ça à des. À une bad box. Donc les câbles aussi que j'ai fait là, c'est des câbles qui peuvent prendre une certaine énergie. Donc vous pouvez aussi faire ça avec directement des copper cables pour les mettre, mais ça prendra que du 32 du 32 EU par T. Donc ces câbles, donc lui il récupère que du 32 EU par T. Donc si après on veut prendre des machines qui prennent autre que du 32 EU, il faudra mettre un transformer. Donc avec ça maintenant on peut donc c'est l'entrée, c'est dans tous les sens et la sortie elle est du côté du point. Donc on va mettre du côté du point. On va même se permettre de faire un truc comme ça pour l'instant. Et maintenant on peut poser nos machines. Donc le générateur, dans le générateur il faut le poser à côté de lui, puisque si on veut par exemple remplir lui, donc déjà là-dedans voilà, on peut mettre de la redstone pour le remplir. Donc si on veut remplir autre que par l'eau, on remplit par là-dedans. Donc maintenant on prend nos extracteurs et macérateurs, on les met à côté, voilà. Et normalement, tac, s'il y a de l'énergie, no problem. Maintenant, on va faire. On a encore le temps pour continuer dans un electric furnace. Donc, il nous faut, voilà, un. Puisque le charbon n'est pas une ressource limitée. Donc, on va refaire ça, un electronic circuit. Et aussi, je vais aller me coucher. Non, on va, je sais ce qu'on va faire. On va faire l'électronique furnace et essayer de faire les coffres en diamant, comme je vous ai dit. Hop, tac. Alors, l'électronique furnace. Alors, il me faut de la redstone, du fer, de la cobble jet et ben, il me faut. Oh mince, il m'en faut 6. Super. Donc, on va faire directement 6. Petit comme ça, hop 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 hop. Non, ça me prend trop. Donc il nous faut tac 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 tac. Voilà, hop. Oh, celui-ci, il nous faut du fer raffiné. Hop, j'en ai bientôt plus, il faudra que j'en fasse cuire. Mais dans l'électronique qui furnace, j'aurais plus besoin de. De charbon, donc ça ne va nous servir à autre chose pour la suite, puisque ça sera aussi une ressource assez dure enfin, assez importante à avoir. Voilà, ensuite, donc c'était l'électronique furnace. Ok, donc il nous faut un furnace, basic furnace. Tac, hop, ça on enlève, entouré de 5. Voilà. 5 fer et ensuite 2 redstone autour et voilà notre redstone furnace. On fait un petit dodo, tac. Et en fait les coffres en diamant, je vais en faire un et j'en ferai peut-être plusieurs pour les épisodes suivants. Tac, tac. Ensuite donc on te retourne la main, donc c'est très rouge, ça fait un style. Voilà, hop. Donc ici notre bad box, elle se remplit grâce au courant que fait les water mills. Donc maintenant notre electronic furnace, vous voyez que on peut faire cuire la cobble grâce à notre énergie. Voilà. Donc voilà. Hop, ça nous prend un peu d'énergie, mais pour l'instant ça va. Et on pourra recharger dans le générateur s'il faut, si on en manque. Donc maintenant, hop, je vais commencer par faire la base des coffres en diamant. Voilà. Alors, il nous faut déjà, on va se faire un peu la dose de coffres. Hop. Tac 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 t
Tac, voilà, ça nous en fait 3, ça va nous faire donc des chests. On commence par la base. Donc soit on fait un coffre comme ça, attendez. Si par exemple on fait, si on veut passer de coffre normal à... ouais, non, ça nous prend beaucoup plus de ressources. Donc on va faire le simple chest de base, donc un iron chest. Donc on a déjà ce qu'il faut sur nous. Hop. Tac. Donc, tac, 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 tac. Ensuite, je vous montrerai peut-être l'upgrade, comment ça marche. Ensuite, il nous faut un peu d'or. Hop. Pour passer en gold chest pour faire le diamond chest. Voilà. Voilà, donc. On va faire avec le verre, ça va être moins de gaspillage. Et je vais refaire cuire s'il faut. Hop. Donc il nous faut tac 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 l'iron chest parce que attendez, je vous montre juste vite fait, hop hop hop. Donc l'iron chest c'est cette taille là pour un cube. On peut le récupérer à la pioche, normal. Ensuite ça s'agrandit chaque fois un peu avec le gold. Et ensuite il y a aussi le silver qui est un peu qui fait la même taille que le gold, le copper qui est un peu plus petit que l'iron, et voilà. Et le diamond, vous verrez la taille. Et il y a l'obsidienne aussi, mais ça, je suis pas sûr qu'il prenne, qu'il fasse plus. Ok, super, j'ai fait dans le mauvais sens. Tac, tac. What? D'accord, c'est un silver chest. Et un silver chest, c'est. Ok, bon, on va faire le gold alors. On gardera pour la suite. Hop. Donc je m'en fais un pour l'instant, on va pas en faire plus. Voilà, maintenant il me faut deux diamants. Tac, un, deux, hop. Et le verre il va même servir à faire une chose super utile. Hop, hop. Le gold et tout le reste en verre. Si là, normalement j'ai juste. Voilà, donc un diamond chest. Donc attendez, je regarde juste ce qu'on peut faire avec les upgrades. Celui-là par exemple. Ok, donc... Ok, donc on a un obsidian, donc vous verrez. Alors, tac, un obsidian, hop, pour faire du gré. Donc, par exemple, là, je pose n'importe où. Donc, on va le poser ici. Hein, voilà, donc c'est assez énorme, vous voyez. On veut le faire encore plus stylé, puisque nous, on est stylé, on veut le truc stylé. Donc, on fait une upgrade de diamond to crystal. Boum. Et voilà, notre coffre est transparent, donc si je mets du fer... On le voit à l'intérieur, c'est magique. Et même si on met de la rocket flèche, on voit les deux, c'est tellement magique. Donc je vais en faire plusieurs pour la prochaine fois. Donc on aura nos coffres en petite quantité. Et voilà, on aura beaucoup de poissons. Oh, je suis à niveau 22, mine de rien, c'est pas mal. Mais c'est pas l'histoire du moment. Voilà, donc les prochains épisodes, j'aurai fait la petite zone de machine. Donc vous voyez ça commence à prendre forme, excusez-moi pour la petite erreur que j'ai fait la dernière fois. On pourra faire un panneau solaire qui donnera plus d'énergie, et je ferai aussi l'histoire des mondes dans le prochain épisode. Donc on se retrouve pour l'épisode 8 dans quelques temps, je pense 3-4 jours plus, je sais pas, ça dépend de ma disponibilité. Et donc je vous laisse pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et bye bye.